côté de cette industrie artisanale, la lavande fait aussi l'objet de vastes exploitations modernes et de cultures intensives. La vue de ces immenses champs, si extraordinairement bleus et aux senteurs incomparables, est inoubliable. Hélas, impitoyablement, la faucille taille et coupe dans les magnifiques lavanderies. Ce grand gaillard est un spécialiste de la technique du hérisson. Les fleurtés sont liées en bottes. Entassés sur de grandes charrettes. Et le soir, les paysans, avec leurs lourds chargements, regagnent fermes et villages, alourdis de fatigue, de soleil et de parfum. C'est dans la région de Bérême que se trouvent les principales distilleries de lavande du département des Basses-Alpes. Département fourni du reste la plus importante et la plus renommée production de lavande du monde. L'Angleterre et les États-Unis sont les plus grands consommateurs de ce remarquable produit de la parfumerie française. C'est dans la jolie petite ville de Digne, préfecture des Basses-Alpes, que se déroule chaque année la ravissante fête de la lavande. Son caractère traditionnel et le charme de sa couleur locale en font la manifestation la plus typique du pays basalpin. Animée par de joyeuses fanfares, son succès est considérable. Tous ceux qui aiment la Provence y viennent, et de plus loin encore. Un seul motif de décoration pour les chars, une seule fleur pour les combattants, un seul parfum dans l'air, la lavande. Garçons, revêtus des vieux costumes du passé, renouvellent les rites du folklore local. Gay farandole. Danse de jadis. Le charmant village de Senet, antique bourg celtique, évêché autrefois célèbre, possède encore une remarquable cathédrale romane du XIIe siècle et voit chaque année se dérouler au 15 août une originale procession vers une petite chapelle isolée au sommet d'une colline verdoyante. Alpins, aux aspects si variés, riches de souvenirs et de traditions. Vieux pays caveau, où les froideurs des neiges alpestres alternent avec le flux mistral de Provence. Terre de labeur incessant pour ceux des vallées et ceux des monts. De la plaine oppose un vif conti le règne de la machine, terre sur une vaste échelle. Le même contraste se retrouve pour le temps des moissons. Dans les vallées du haut pays provençal, les paysans fauchent encore le blé avec la faucille.
chapeau. Le blé est battu sur des aires, ventées, selon l'usage ancestral. Et c'est encore dans les plaines que méthodes modernes et motoculture font loi. Faucher, battre et lier n'est qu'un jeu pour les moissonneuses batteuses. De Valensole, terroir basalpin du blé, un bon point pour la soudure. L'élevage du mouton est aussi très intense dans les basses Alpes. L'été venu, les troupeaux s'éloignent des plaines vers les hauts pâturages alpestres, où l'herbe fraîche les attend. C'est le grand voyage de la transhumance. À ne pas signaler aux répartisseurs de la laine et du gigot. Jour par jour, à petits pas, les caravanes pastorales montent vers les hauteurs avec leurs chansons de sonnailles. Certaines viennent de très loin, de la Basse-Provence, de la Camargue, des terres brûlées de la Croix. Vers le soir, la fatigue se fait sentir. Ça tire chez les traînards de l'arrière. À petites et grandes pattes. Bientôt, enfin, le but du grand voyage est atteint. Magnifique nature, où bêtes et bergers vivront jusqu'au retour des premiers froids, quand cessera le cri plaintif des marmottes au seuil de leur long sommeil hivernal. Et voici Seine-les-Alpes, autre centre réputé de l'élevage basalpin. Mais ici, c'est de mulets qu'il s'agit. Chaque année, un important concours mulassier sélectionne les meilleurs spécimens de la région. Les juments poulinières sont présentées avec leurs muletons. Les basses Alpes conservent encore de pittoresques industries artisanales. Voici à Beauvezère, dans la vallée du Verdon, une petite et très ancienne fabrique de draps. Vieux métier vénérable qui ne savent tisser que la laine. Possède aussi de grandes industries modernes. Les usines électriques hydrothermiques de Sainte-Tulle, dans la vallée de la Durance, les plus puissantes du midi de la France, avec leurs 165 000 chevaux. De nouvelles et vastes ressources d'énergie électrique seront prochainement fournies par le grand barrage de Castillon sur le Verdon. Les usines de Saint-Auban, encore sur la Durance, comptent parmi les plus importantes d'Europe. Pour la production du chlore, de l'alumine et des nitrates. L'administration de ces usines a édifié une véritable cité moderne où vivent ces travailleurs et leurs enfants. Accueillante demeure dont les noms chantent la Provence, ou Mistral, traduction de Mistral, ou Soulève, le soleil, la Durance, la Durance, centre récréatif. Groupe scolaire, culture physique,
rien ne manque pour l'étude, les loisirs et le sport. Heureux comme poisson dans l'eau. Surprise du pays bas alpin, au pied de ces rochers sauvages, s'étale au bord de la Durance un magnifique verger, le terroir de Perruis-l'Aimé, célèbre par ses cultures fruitières, les pêches en particulier. C'est dans cette région, où les mûriers sont aussi très nombreux, que Pasteur étudia la maladie des vers à soie. Perruis, pittoresque village, abrite un citoyen de marque, Maître Bérard, vieux barde philosophe, fait libre passionné, plein de sagesse et d'émouvant de fierté d'avoir connu Mistral. Appariteur et crayeur public depuis 52 ans à la petite mairie de son pays natal, de quoi faire rêver bien des gouvernements provisoires. Mais la reine de toute cette riche vallée de la Durance, qui depuis Sisteron coule au travers des basses Alpes, c'est Manosque, le plus important centre agricole et économique de toute la Haute-Provence. Manosque, le pays de la terre grasse et fertile, chanté par Jean Giono, avec ses fruits, ses céréales et ses olives. Avec aussi ses fameuses pommes de terre, dont la renommée s'étend jusqu'à l'étranger. Quelques navarins aux pommes, à la mode de France. Oh, sombre souvenir des menus à rutabaga. La production du terroir de Manosque atteint chaque année plusieurs milliers de tonnes. Voici Montagnac, autre terroir célèbre. Mais ce n'est plus de pommes parmentiers qu'il s'agit. C'est ici le domaine de la truffe. La recherche et le négoce de ces savoureux champignons souterrains font la richesse de toute la contrée de Montagnac à Riez et Quinçon, où abondent les chênes truffiers. C'est à la finesse de leur odorat que ces belles truies doivent de ne pas être transformées en saucisses. L'homme a parfois de ses bontés, après tout, même pour un cochon. Les travaux forcés, c'est encore la vie. C'est égal. Quel métier. Pas d'erreur. Cette fois, c'en est une. Et une belle. C'est l'homme qui garde la truffe et qui paie en monnaie de singe. Pour le cochon, c'est le gland qui accouvre. Le soir, après une journée bien remplie, ces dames, l'âme sereine, rentrent au bercail. Zazou, elles sont Zazou. Avant d'être mises en boîte et livrées à la consommation, les truffes subissent un minutieux brossage. Tout près de Montagnac, pays des truffes, voici Valensol, le pays des amandes. Au premier jour du printemps, le plateau de Valensol
n'est plus qu'une forêt d'amandiers en fleurs. Le spectacle est féerique. Ce terroir fournit une qualité d'amande fine, très recherchée en France pour la confiserie, le nougat en particulier. Mais parler de nougat, c'est parler de miel. Le pays basalpin en est un gros producteur. Et la région de Riez est le centre d'affaires le plus actif de la Haute-Provence. Retirés des ruches, des cadres avec leurs alvéoles chargés de miel sont placés dans des cuves cylindriques. Sous l'action de la force centrifuge, le liquide onctueux s'échappe des cellules et coule abondant. Que de bonnes tartines en perspective. Succulent miel des Alpes, si renommé pour son parfum aux fleurs de montagne, et surtout de lavande, la lavande. Tout le pays basalpin est dans ce mot, son charme, son caractère, ses traditions.